Soyez bénis. Une fois de plus, nous disons merci au Seigneur pour ses services d'action de grâce. Spécialement ce dimanche, nous venons pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a pu réaliser dans notre vie depuis le début du mois. Et nous tendons vers la fin de ce mois. La spécialité, ou encore la spécificité, ou la particularité de culte d'action des grâces, nous venons surtout pour offrir à Dieu les fruits de nos lèvres qui confessent son nom. Vous devez savoir, sur la terre, il n'y a rien que l'on peut donner à Dieu. Parce que tout ce que nous possédons, c'est de lui que nous avons reçu. Tu diras que non, c'est mon travail qui m'a procuré ce bonheur. Mais qui te donne chaque matin la capacité d'aller travailler? C'est le Seigneur. Qui te donne le souffle de vie pour que tu te réveilles chaque matin? C'est le Seigneur. Quel que soit l'argent que tu es en train d'acquérir au moyen de ton travail, dis-toi, ça c'est les dons de Dieu. Ça c'est la bonté de Dieu. Donc il n'y a rien qu'un homme peut donner à Dieu en retour. Tu peux prétendre payer ta dîme, tu n'as rien fait. Je donne les offrandes, je n'ai rien fait. Mais là où tu peux faire quelque chose, c'est lorsque tu ouvres ta bouche pour chanter la gloire de ce Dieu-là. Tu disponibilises ton corps pour exhiber un pas de danse. Voilà quelque chose que tu peux offrir envers Dieu et qui peut lui être reconnaissant. C'est pourquoi la particularité de ce culte, nous venons pour chanter, danser, louer le Seigneur, en guise de tout ce qu'il a pu réaliser pour notre vie. Je me souviens dans la Bible d'un homme qui a été critiqué par sa femme. Pourquoi? Parce que il s'est noué d'un effort. Il a exhibé un pas de danse dans toute sa force. La femme lui regardant à la fenêtre lui a dit, mais quelle honte pour un roi d'Israël qui s'est dévoilé devant ses sujets. Et vous connaissez la réponse de cet homme. Il a dit, c'est devant ce Dieu-là qui m'a choisi de préférence à ton père que je suis en train d'exhiber ses pas de danse. Là, tu dois comprendre quelque chose. Ce qui peut te pousser à chanter de toute ta force, à danser de toute ta force devant le Seigneur, c'est lorsque tu penses au bienfait de l'Éternel envers toi. Voilà ce qui détermine les actions de grâce. Pour bien les rendre au Seigneur, commence par penser aux bienfaits de Dieu dans ta vie. Comment tu étais? Qu'est-ce que le Seigneur a fait de toi? Si David a chanté de toute sa force, il se disait dans son cœur, moi David, le plus petit de ma famille, le plus négligé, l'homme à qui on pouvait confier que les troupeaux pour demeurer dans la brousse. Voilà ce que j'ai fait. Et là, derrière les troupeaux, c'est là où Dieu m'a trouvé. C'est là où Dieu m'a pris pour me placer aujourd'hui à la tête de cette nation. Aujourd'hui, moi, David, je suis devenu roi. Non pas à cause de mes études, non pas à cause de ma taille, non pas à cause de ceci. Dieu m'a trouvé. Il m'a localisé, il m'a choisi. Pense à ta vie. Depuis que tu es dans le Seigneur, depuis que tu as commencé à entendre la parole du Seigneur, tu n'as expérimenté aucun bienfait de Dieu dans ta vie, même si tu n'as rien expérimenté. Mais pense au moins à ce souffle de vie qui t'anime
Ce souffle qui a fait qu'il te quitte sa maison pour venir dans la présence du Seigneur. Ce souffle que la plupart ces matins sont en train de rechercher avec les bonbonnes. Mais toi, tu respires normalement parce que c'est Dieu-là qui t'a prêté ce souffle. Il ne te promet jamais de les retirer d'une manière brusque. Il te promet que je te donne le pouvoir, la capacité. Tu peux vivre ainsi jusqu'à ce que je reviendrai te rechercher sur la terre. Pourquoi ne pas dire merci à ce Dieu-là? Comme cela vous a été expliqué autrefois, les actions de grâce veut dire la manifestation de la reconnaissance. C'est ça ce que nous appelons action de grâce. Manifestation de la reconnaissance. Je manifeste ma reconnaissance envers Dieu pour tout ce qu'il a réalisé dans ma vie. Sa protection divine. La plupart, nous étions des abonnés de pharmacie. Mais tu as fait peut-être tous ces mois ici, tu n'as pas pris aucun compliment de ta bouche. Toi qui étais chaque semaine, tu dois contacter les pharmacies des ordonnances. Aujourd'hui, tu as une parfaite santé que Dieu te donne. C'est ainsi que tu peux, ne fût-ce qu'à cause de cela, dire merci à Dieu. Soyez bénis. Donc, comme je le disais, nous allons plus passer du temps à louer, à danser pour le Seigneur, parce que la parole de Dieu, nous l'écoutons tous les dimanches. Mais quel est ce sujet pour lequel ce matin, nous allons dire merci à Dieu? Le sujet pour lequel nous allons rendre grâce à Dieu ce matin, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Non pas pour ce qu'il fait, mais aujourd'hui c'est pour ce qu'il est que nous allons lui rendre des actions de grâce. Ce que Dieu est. Quand je pense à ce qu'il est, et si je puis comprendre ce qu'il est, automatiquement je puis expérimenter ce qu'il fait. Parce que c'est ce qu'il est qui détermine ce qu'il est à mesure de faire. Si je puis comprendre ce qu'il est, je vais expérimenter ce qu'il fait. Nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il est. En ouvrant d'abord une parenthèse, ça c'est quelque chose que tu dois cultiver dans ta vie, les actions de grâce. C'est un sujet de miracle, les actions de grâce. Les actions de grâce provoquent les miracles. Ça c'est très important. Je vais commencer par cette lecture, bien que c'est une référence qui ne fait pas partie de notre sujet du jour. Nous allons lire Jérémie, chapitre 30, verset 19. Vous allez comprendre ce que les actions de grâce sont capables de réaliser dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Jérémie, chapitre 30, verset 19. Jérémie 30, 19. Ne regarde pas les écrans, regarde ta Bible. Parce que dans ta Bible, tu peux souligner, tu peux ajouter, tu peux écrire. Jérémie chapitre 30, verset 19. Est-ce que vous avez trouvé la place? Moi, j'aime bien quand nous lisons les Écritures ensemble. À l'unisson. Jérémie, chapitre 30, verset 19. Même si tu connais la référence par cœur, jetez un coup d'œil dans la Bible. Tu peux voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Jérémie, chapitre 30, verset 19. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons 1, 2, 3. Du millier de se révélant des actions de grâce. Et les cris de réjouissance, je les multiplierai et ne diminueront pas. Je les honorerai et ne seront pas même. Voilà ce que les actions de grâce peuvent faire dans la vie de celui qui les rend sans cesse au Seigneur. Du milieu de, pas du milieu des païens, du milieu de nous, enfants de Dieu,
doivent s'élever les actions de grâce et les cris de réjouissance. Si nous les faisons, voilà ce que Dieu nous promet. Je les multiplierai, ils ne diminueront pas. Je les honorerai, ils ne seront pas méprisés. Quelqu'un qui, d'une manière continuelle, rend grâce à Dieu, ne sera jamais méprisé dans sa vie non plus. Dieu est celui qui nous honore lorsque nous l'honorons. C'est ce que Jésus a dit, j'honore ceux qui m'honorent. Si nous pouvons honorer le Seigneur, il peut également nous honorer. Ça, c'est très important. Voilà la référence maintenant relative à notre sujet du jour. Nous avons dit que nous allons rendre des actions de grâce à Dieu ce matin pour ce qu'il est. Qui Dieu est? Dieu est vrai. Dieu est vrai. Il est le véritable. Dieu est la vérité. À cause de cela, il mérite nos actions de grâce. Il est vrai. Il est le véritable. Il est la vérité. Pas une vérité, la vérité. Le seul véritable, le seul vrai, c'est lui. À cause de cela, nous devons lui rendre des actions de grâce. Mais pour quelles raisons ou encore à quelle fin? Nous allons lire cette référence. Ça, ce sont des versets qui doivent constituer notre bagage de défense, où que nous soyons. Je vais vous dire à quelle autre référence nous allons associer ce que nous allons lire ce matin. Nous sommes dans Romains, chapitre 3, verset 4. Romains, chapitre 3, verset 4. Romains, chapitre 3, verset 4. Romains chapitre 3, verset 4. Dieu est vrai. Dieu est le véritable. Dieu est la vérité. À cause de cela, il mérite nos actions de grâce. Nous allons lire ensemble Romains chapitre 3, verset 4. Est-ce que vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour menteur. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour menteur. Mais pour? Dieu est reconnu pour? Pour vrai. Donc, on avance, virgule. Et tout homme pour? Combien d'hommes? Quand on dit toutes, sauf qui? Personne. Toutes. Ici, dans cette référence, nous avons des camps. Il y a les camps de Dieu, il y a les camps des hommes. La Bible dit que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Terminons la référence. La dernière partie aussi, elle est importante si nous la comprenons. On avance. Selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme menteur. Quand on dit tout homme, c'est tout homme sans exception aucune. Tout homme, menteur. Dieu, vrai. C'est-à-dire quoi? Tu dois comprendre que tout ce qu'un homme, quel qu'il soit, peut déclarer sur ta vie, et ce qu'il déclare est contraire à ce que Dieu dit dans sa parole, tu dois reconnaître que Dieu est vrai et tout homme est comment? Menteur. Ne te laisse jamais dominer par les mensonges. J'ai dit tout homme, quel qu'il soit.
Même parmi les soi-disant serviteurs de Dieu, il y a des prophètes des malheurs. Quelqu'un qui te dit, non, j'ai prié, on m'a montré que tu as un bandeau noir sur tes yeux. De dire c'est des mensonges. Pourquoi nous devons tenir et comprendre que Dieu seul est vrai? Dieu est vrai par rapport à tout ce qu'il a mis par écrit pour toi et moi dans la Bible. Dans tout ce qu'il a dit dans sa parole, c'est vrai. C'est pourquoi nous devons reconnaître Dieu comme vrai et tout homme menteur. Dans sa parole. Tout homme est menteur dans ce qu'il dit et qui contredit ce que Dieu a dit dans sa parole. Tout ce qu'un homme, quel qu'il soit, peut dire qui est contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole, tu dois reconnaître que ça c'est du mensonge, ce que Dieu a dit est vrai. Est-ce que Dieu t'a promis après la croix de Christ qu'il va te punir d'une maladie quelconque? Mais si quelqu'un fait son diagnostic, il te dit que j'ai découvert que c'est le début d'un cancer. Qu'est-ce qu'il faut faire en tant qu'enfant de Dieu? Pas refuser, tu dois croire d'abord, c'est les mensonges. Ce que Dieu, c'est les mensonges. Vous savez, dimanche prochain, je vais parler sur quelque chose. Vous savez que l'unique chose que l'ennemi a commencé à combattre depuis le jardin d'Éden, lorsque Satan est allé mentir la femme et l'homme pour les séduire dans le jardin. Vous savez ce que l'ennemi est allé combattre dans le jardin? Ce n'était autre chose si ce n'est la foi. La foi, c'est quelque chose que l'ennemi a commencé à combattre depuis le jardin d'Éden. Je sais que c'est au-dessus de ta tête, tu ne peux pas comprendre. Je vais en parler dimanche. Comment l'ennemi a quelque chose qui lui fait mal, qui ne veut pas faire chez les chrétiens, c'est la foi dans ce que Dieu a dit. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ici, nous voyons que nous devons reconnaître que Dieu est vrai et tout homme est comment? Menteur. Tout ce que les hommes de ce monde peuvent dire, qui contredit ce que Dieu a dit dans sa parole, vous devez croire que quoi? C'est le mensonge. Est-ce que tu es d'accord avec la Bible? Tu peux ne pas être d'accord avec moi, mais néanmoins, sois d'accord avec ce que la Bible dit. Soyez bénis. Parce que pour nous, enfants de Dieu, nous savons que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite. Christ nous a délivrés de tout, sauf rien. Maintenant, si aujourd'hui un homme se tient debout pour je vois dans ta vie, il y a ceci, il y a cela. Il ne faut pas croire, c'est du mensonge. Alors maintenant, qu'est-ce que l'ennemi fait? C'est pourquoi il vous a été donné Philippiens. Chapitre 1, verset 28. Vous connaissez Philippiens, chapitre 1, verset 28? Vous pouvez me réciter cette référence par cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Une, deux, trois. Je ne vous entends pas crier fort. Maintenant, il y a des camps de ceux qui hésitent, n'ont pas maîtrisé. Ils cherchent maintenant à écouter ce que l'autre dit maintenant pour voir. Mais je vous dis, ça c'est une référence clé que chaque enfant de cette commission doit maîtriser. Tu peux la réciter même sans te réveiller à 3h du matin. Citez-moi Philippiens 1, 28, tu récites tel que la Bible le dit. Soyez bénis. Ouvrez la Bible. Philippiens chapitre 1, verset 28. La foi, c'est quelque chose. Il m'a été fait savoir que depuis le jardin, c'est ce que l'ennemi a commencé à combattre. Rien d'autre que la foi. Si tu ne l'as pas, bien si tu peux la perdre, tu es foutu. Philippiens chapitre 1, verset 28.
Philippiens 1, 28. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons à haute voix. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous des fois. Encore une fois, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous. Ça, ce sont les versets clés de cette commission. Quand tu marches avec Philippiens chapitre 1, verset 28. Je ne me laisserai aucunement effrayer par les adversaires. Aucunement. C'est-à-dire, quelle que soit la situation que je traverse, je ne me laisse pas effrayer. Parce que tout ce que l'ennemi cherche à me faire, c'est de me faire tomber dans la peur. Dès que j'ai peur, c'est fini. Il a triomphé de moi. Alors, à cette référence, ce matin, nous y associons Romains chapitre 3, verset 4, que tu dois également maîtriser. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. C'est-à-dire que tout ce qu'un homme de cette vie peut déclarer sur ta vie, qui est contraire à ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est un mensonge. Il ne faut pas croire aux mensonges du diable. Comme la Bible il est décrit, menteur, père du mensonge. C'est son travail. Il vient te mentir pour les choses pour lesquelles Jésus-Christ avait déjà payé le prix pour toi. Soyez bénis. Si aujourd'hui, je te dis, on fait un diagnostic démontrant que tu es atteint, il y a des maladies qui font peur aux gens quand on cite les noms. Cancer. Au cancer du sang. Ça s'est déjà métastasé dans tous les sens, en tout cas. À ce stade-ci, on ne peut rien faire. Même si tel est le dire des médecins, que Dieu soit reconnu pour vrai, et c'est lui qui a diagnostiqué quoi? Pourquoi il est menteur? Parce que ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit dans sa parole. Répétez, l'homme dit cancer généralisé. La Bible dit, il a emporté les maladies et les infirmités. Maintenant, je suis dans quel camp? De celui qui me diagnostique les cancers ou bien celui qui a dit qu'il a emporté les maladies et les infirmités? Donc, je dois considérer que ce que l'homme dit, c'est un mensonge. Ce que Dieu dit dans sa parole est comment? Vrai. Est-ce que vous comprenez? C'est de cette façon-là que nous allons marcher. D'expérience en expérience par rapport à tout ce que Dieu nous a déjà prédit dans la Bible. Vous savez pourquoi? C'est pourquoi chaque fois que tu viens dans l'église, avant de sortir, rassure-toi que tu as retenu ne fût-ce qu'une ou deux versets de l'enseignement qui a été donné à l'église. Ce qui fait la force des enfants de Dieu dans notre marche, c'est la connaissance des promesses que Dieu nous a faites dans sa parole. C'est sur base de ces promesses que nous pouvons avoir l'assurance et marcher tranquille. Moi, je ne peux pas croire. Lui qui a tout créé. D'abord, il a déclaré que tout ce créé était très bon. Mais l'homme me dit que non, si tu fais ceci, ça va t'amener ceci, cela. C'est pourquoi lui-même dit dans sa parole, applique ton cœur à ma science. Pourquoi? Il y a la science des hommes qui est trompeuse, mais applique ton cœur à quoi? À ma science. Lorsque tu es en face d'un défi quelconque, un défi de santé, un défi financier, un défi de ceci, maintenant, positionne-toi. Souviens-toi de ce que Romains chapitre 3, verset 4 déclare. Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. L'homme me dit qu'il y a ceci, c'est très grave. Il te fait même paniquer pour que tu vois la gravité de la chose. Tout ça pourquoi? Que tu fasses sortir la fortune. Tranquillise-toi. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul soit reconnu pour vrai. Ce que cet homme dit sur ma santé, c'est du mensonge. Bien que cela peut
s'avérer comme une réalité, tu peux le dire aussi, ah, il a raison. Ces gens-là, parfois, ils vous posent des questions. Je n'ai jamais vu aucun médecin qui t'arrive comme ça, il fait le diagnostic maintenant, il t'explique les produits sans te poser des questions. Bon, raconte, qu'est-ce que tu sens? Et ça vient comment? Tout ça, il est en train de faire. Il n'est pas sûr de ce qu'il fait. Bien qu'il a vu cela dans ses... Mais il n'est pas sûr. Il te pose des questions pour savoir, pour confirmer ce qu'il est en train de faire. On ne peut pas marcher comme ça, nous, pour qui Jésus-Christ a payé déjà les prix. Soyez bénis. Moi, je ne permettrai jamais que l'œuvre de la croix soit réduite à rien par quelqu'un qui prétend avoir eu la connaissance parce qu'il a étudié ceci ou cela. Je ne permettrai jamais que l'œuvre de la croix soit réduite à néant. Je sais que c'est cette œuvre-là qui m'a forgé, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, personne ne peut jamais me faire avaler des choses. C'est pourquoi, bien-aimé, positionne-toi. Est-ce que tu es dans le camp de ceux qui disent les mensonges ou bien tu es dans le camp de celui qui dit vrai? Parce que tout ce que Dieu dit, c'est vrai. C'est la vérité. Il est le véritable, il est la vérité. Tout ce qu'il dit est vrai. Et pas seulement ici dans Romains que nous venons de lire. Lorsque vous rentrez dans ma référence, que vous connaissez bien, Proverbe chapitre 22, qu'est-ce qu'il dit? N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner quel genre de choses? Les choses sûres. Quel genre de paroles? Les paroles vraies. Voilà encore un autre témoignage. Ce que Dieu dit est sûr. Ce que Dieu dit est vrai. Donc personne ne peut me faire avaler des choses. Quel que soit parce qu'il a fait ses études, parce qu'il a fait ceci. Parce qu'avant que ces études-là soient faites, au commencement, Dieu était là. Oh non, ne t'en fais pas. Ce que tu es en train de vivre là, ça s'appelle ces réalités secondaires. Donc, ça arrive. Tu me racontes des choses, je ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que celui qui est vrai a dit dès le commencement, soyez fécond. Il ne connaît pas ce que toi tu utilises non plus. Et bien plus maintenant, avec l'évolution de l'humanité, il n'y aura parmi vous ni femme stérile, ni femme qui avorte. J'ai accompli quel nombre de tes jours. Donc c'est pourquoi, frère, dans la vie spirituelle, forge ton attention sur ce que Dieu dit. Prenez cette référence de Romains chapitre 3, verset 4. Il a dit, nous devons reconnaître que Dieu est vrai et tout homme sur la terre est comment? Menteur. Ce que les hommes disent, ce sont des mensonges. Néanmoins, si ce qu'ils disent se réfère à ce que Dieu a dit dans sa parole, gloire au Seigneur. Mais si ce qu'ils disent n'est pas en accord avec la parole, je préfère croire à la vérité de la parole de Dieu, même si cela peut me coûter cher. Même si cela peut me coûter la vie, mais néanmoins, je vais mourir avec la vérité de la parole de Dieu que les mensonges des hommes. Soyez bénis. Personne aujourd'hui, quand vous êtes en Christ, ne peut prononcer une malédiction quelconque sur ta vie. La médecine ne peut jamais te condamner. Je le répète, j'ai dit, la médecine ne peut jamais te condamner. Je répète, hein, la médecine ne peut jamais te condamner. Quel que soit s'il est allé faire sa médecine à la planète Mars. Je te dis, la médecine ne peut jamais te condamner. Amen. Je répète, la médecine ne peut jamais te condamner. Amen. Pourquoi? Nous devons reconnaître la médecine pour un mensonge et Dieu seul pour vrai. Est-ce que vous comprenez? Les médecins de ce monde peuvent exister, mais il est le médecin des médecins. Il est au-dessus de toute science qui existe. Le maître de toutes les sciences, c'est qui? C'est lui. C'est pourquoi il t'exhorte, il dit, applique ton cœur à ma science. N'aie pas peur. Ne te laisse aucunement effrayer par les adversaires. Tout ce qu'un homme peut dire, c'est un homme. Mais ce que Dieu a dit, c'est vrai. À cause de ce qu'il est. Il est vrai, il est le véritable, il est la vérité. Je dois lui rendre des actions de grâce. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a mis par écrit pour moi dans sa parole, c'est la vérité, c'est vrai. L'assurance que j'ai auprès de Dieu, il me dit, toute parole sortie de ma bouche ne peut jamais retourner auprès de moi sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai déclaré. Voilà ce qui me donne l'assurance dans ma marche avec le Seigneur.
Répétez, que Dieu soit reconnu pour menteur. Que Dieu soit reconnu pour menteur. Et que la science soit reconnue pour vrai. Maintenant, c'est bien de les répéter parce qu'il dit de les répéter. Mais comment tu vis? Les déclarer dans la bouche, c'est une chose, les vivre en est une autre. Quand ça t'arrive, les pensées sont où? Vous tournez vers les mensonges. Mais vous croyez que du mensonge, que tu peux sortir? Parfois, lorsqu'on enseigne, on ne te dit pas que c'est facile. On te l'enseigne. Pourquoi? C'est pour que tu alimentes ta foi. Mais pour atteindre un certain niveau de foi dans ta marche, tu dois passer par certaines expériences. Ce sont ces expériences-là qui feront en sorte maintenant que tu sois fondé dans la foi. Vous me voyez là, comme je suis là. Ça fait 37 ans de santé. Il y a un ange qui descend du ciel, qui m'apporte un évangile selon lequel, non, tu n'es qu'un homme sur la terre, il peut t'arriver aussi de tomber malade. Vous croyez que moi je vais accepter les paroles d'un tel ange? D'abord, c'est un ange déchu. Il ne connaît pas ce que la Bible dit. C'est pour te dire, il n'y a aucun homme au monde, ici sur la terre, qui peut me faire avaler des choses, soit disant, faites attention, il y a ceci, il y a cela. Pourquoi Dieu doit être reconnu pour vrai et tout homme comment? Menteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, à cause de ce qu'il est, ce matin, nous allons rendre des actions de grâce. Deuxième aspect pour lequel nous devons rendre grâce à Dieu. Dieu est fidèle. Je veux rendre grâce à Dieu par rapport à sa fidélité. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle par rapport à ce qu'il est, par rapport à ce qu'il fait, par rapport à ce qu'il dit, il est fidèle. Et à cause de cela, je ne peux pas trembler non plus. Nous allons lire Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23, que nous dit la Bible. Répétez, Dieu est vrai, Dieu est fidèle. Dieu est vrai, Dieu est fidèle. Il est vrai par rapport à quoi? Répétez, Dieu est vrai par rapport à tout ce qu'il dit et par rapport à tout ce qu'il fait. Alors si tu dis que j'étais guéri, la médecine te dit que tu es condamné, à qui je dois croire? Non, frère, ça c'est une maladie héréditaire. Il y a des maladies héréditaires. Ne fais pas semblant parce que vous êtes ici. Est-ce qu'il y a des maladies héréditaires? Oui. Les moines vous ont enseigné? Non, non, mon père a souffert ça. Mon grand-père avait souffert. Ma mère est décédée de cela. En tout cas, j'ai écouté une dame qui me dit non, l'attention c'est la maladie de notre famille. Il les déclare bien, l'attention c'est la maladie de quoi? De notre famille. C'est-à-dire que dans notre famille, tout le monde souffre de quoi? Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Je suis en Jésus ou non? Alors maintenant je fais quoi? J'accepte celui qui est vrai ou bien j'accepte même les mensonges qui viennent des mondes? Même si ça peut être vrai, c'est vrai pour eux, ce n'est pas vrai pour moi. Ça peut être une réalité, mais ce n'est pas la vérité absolue de la parole du Seigneur. Ce que Dieu me dit dans sa parole, c'est autre que ce que les réalités présentent. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Vous avez trouvé la place? Hébreux 10, 23. Ensemble, nous lisons. Retenons fermement quoi? La profession de notre espérance. Pour quelle raison? Car celui qui a fait la promesse est infidèle. Celui qui a fait la promesse est comment? Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce n'est pas seulement une seule promesse, bien qu'on ait dit la promesse.
Dans l'aïa, ça contient toutes les promesses que Dieu nous a faites. Ça, c'est Louis II qui a traduit promesse au singulier. Quand vous lisez parole de vie, vous lisez Darby, promesse au pluriel. C'est lui qui nous a fait des promesses et fidèle. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous a promis, bien-aimés, soyons sérieux. Avec la vie chrétienne, il faut être sérieux. Ou bien tu crois à ce que Dieu dit, ou bien rentre dans le monde pour vivre selon les aspects du monde. Tu ne peux pas entre les deux non plus. Ou soit c'est le monde, ou bien c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Soyons sérieux. Il faut être sérieux avec les choses du Seigneur. C'est la Bible qui dit que c'est lui qui a fait les promesses et fidèles. Donc je dois croire à la fidélité de Dieu dans ce qu'il a dit. Peu importe les situations que je traverse, ce que Dieu a dit est fidèle. Il nous a été dit le dimanche passé, nous sommes des millionnaires, mais dans la poche nous n'avons rien. Mais ce n'est pas le fait que ma poche n'ait rien qui fait que je suis pauvre. Pourquoi? Parce que le prix de la pauvreté a été payé même avant qu'il soit né de nouveau. Non, je dois croire à la fidélité de ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est ça la vie chrétienne. Ou bien je crois à ce que Dieu dit, comme je vais vous parler dimanche prochain, ce que l'ennemi a commencé à combattre dans la vie des enfants de Dieu depuis le jardin, c'est la foi. Parce qu'il sait que si ces gens se maintiennent dans la foi, c'est fini, je suis foutu. Or que sans la foi dans ce que Dieu a dit, nous pouvons arriver nulle part avec les choses du Seigneur. Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Ce ne sont pas les circonstances qui peuvent anéantir la fidélité de Dieu non plus. Ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les moments qui changent la fidélité de Dieu dans ce qu'il a dit. Nous devons rester continuellement fidèles par rapport à tout ce que Dieu raconte dans la parole du Seigneur. Soyez bénis. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme à qui le Seigneur a visité, pas seulement la femme, y compris l'homme. Je parle de Sarah. D'après la science, il était déjà au-delà. Le monde vous dira, Sarah était atteint la ménopause et Abraham était devenu déjà aussi papa-pause. Ménopause et papa-pause, les deux là, rien n'espérait d'après la science. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Est-ce que Sarah a fini par accoucher? Mais d'après les hommes, c'est possible. Mais pourquoi cela s'est réalisé? Mais qui connaît la clé de la disposition de la vie de Sarah? Qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir un enfant? Qu'est-ce qui a fait qu'à cet âge-là, bien que d'après la science, pas d'espoir, mais qu'est-ce qui a fait que Sarah puisse avoir un enfant? Si tu connais la réponse, soulevez les doigts. Parce que j'aimais Angers 200 héros. Je ne te demande pas la phrase, je demande la clé dans cette référence. Mais dire qu'est-ce que Sarah a fait pour qu'elle puisse avoir un enfant. Si tu me donnes seulement, et puis cette clé consiste à un verbe bien conjugué. Si tu me donnes seulement le verbe, tu as 200 euros sur place. Si tu échoues, c'est toi qui payes. Soyons clairs. Tu gagnes, je te donne, tu échoues, tu donnes. Hey, les doigts baissés. Bon, vas-y. Hein? Il a fait quoi? Il a douté. Ah, Sarah Véry. Prépare-moi 200 euros. Je viens ici, j'ai déjà gagné. Luc, tu es prêt? Vas-y. Tu as 200 euros. Il a répondu que Sarah a cru à la fidélité de Dieu. Sarah a cru à la fidélité. Ouvrez la Bible. Nous sommes dans Hébreux 11:11. Mais quand tu vas recevoir, il faut venir témoigner. Hein? Parce qu'elle ne dit pas des choses du haut de la chair pour dire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11, verset 11. Hébreux 11:11. Mais rassure-toi que tu n'as pas jeté un coup d'œil dans la Bible. Hein? Si tu as triché dans la Bible, là, ce serait un mensonge. Tu as triché.
Les voisins, est-ce qu'il avait la Bible ouverte? Bon, ça va. Nous sommes dans Hébreux 11, 11. Hébreux chapitre 11, verset 11. Vous avez trouvé la place? Hébreux 11, 11. Nous allons vérifier. Les quelques minutes qui vont nous rester maintenant, c'est pour exhiber un pas de danse, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous tout au long de ce mois de septembre. Hébreux 11, 11. Vous avez trouvé la place? Ensemble, nous lisons. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Il a cru à la fidélité. Donc Sarah n'a pas considéré son âge. Sarah n'a pas considéré ce qu'il vivait autour. Il n'a pas considéré les critiques. Sarah a cru à une chose, à la fidélité de celui qui avait fait quoi? La promesse. Voilà, bien-aimés, si nous voulons marcher, obtenir de la part de Dieu. Si vous croyez à la fidélité de celui qui a fait la promesse, Dieu va se montrer qu'il est vrai dans ce qu'il dit. Moi, j'ai cru en la fidélité de cette promesse par rapport à la santé divine. Je suis en bonne santé. Il n'y a pas de secret. C'est croire seulement à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui a mis pour nous par écrit des conseils de réflexion pour nous enseigner des choses sur des paroles vraies afin que nous répondions à celui qui nous envoie? Vous croyez que c'est lui qui a mis par écrit pour nous? Est-ce que c'est Dieu qui a mis par écrit pour nous dans la Bible? Et alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Nous devons croire à la fidélité des promesses qu'il nous a faites. Ainsi, nous allons vivre les états sur la terre. C'est très simple que cela. Ça ne te demande pas la réflexion, ça ne demande pas les calculs mentaux. Non, croire seulement à la fidélité de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse et comment est fidèle. Sarah a cru à la fidélité. Elle avait fait quoi? La promesse. Il trouve une promesse dans la Bible relative à la santé, relative à l'argent, relative à celle-là. Si je crois en cette promesse, Dieu, tôt ou tard, il se montrera qu'il est fidèle par rapport à ce qu'il a dit dans sa parole. Que nous dit la Bible, Sarah, malgré son âge avancé. Ne regarde pas la durée de ta situation, ça n'a rien à voir. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? Crois seulement à la fidélité de celui qui a fait les promesses. N'ayez pas foi en la durée de la situation. Est-ce que vous comprenez? C'est très simple que cela. Ainsi, ce matin, nous allons dire merci à Dieu pour ce qu'il est. Il est quoi? Dieu est vrai. Dieu est fidèle. Fidèle par rapport à quoi? Fidèle par rapport à toutes les promesses dans la Bible. Vrai par à quoi? Vrai par rapport à tout ce qu'il dit dans sa parole. Alors, c'est à cause de cela que je vais lui dire merci. Il y a des gens qui sont les plus... Quand vous voyez certaines personnes dans l'église danser, exhiber les pas de danse sans politesse, sans gêne, dans leur cœur se passent des choses. Quoi? Ils pensent l'intervention de Dieu dans leur vie. Comment j'ai traversé ceci? Ce que Dieu a fait pour ma vie. Ce que Dieu a fait pour ma famille. Ce que Dieu a fait pendant que je traversais les temps difficiles. En tout cas, je ne peux pas me retenir. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de danser. Mais dévoilé au devant de lui. Peu importe ce que les gens pensent, sa propre femme s'est moquée de lui. C'est quoi pour un roi qui se dévoile devant ces sujets comme ça? David ouvre la bouche et dit, c'est devant celui qui m'a choisi des préférences à ton père. Je préfère me dévoiler devant mes sujets pour donner gloire à celui qui m'a pris derrière les troupeaux. Soyez bénis. J'essaie une chose. Quelle que soit la famille d'où tu viens, quel que soit le niveau de tes études, le fait d'appartenir à cette commission, bien-aimé, les gens viendront chercher des conseils auprès de toi. Les gens viendront chercher les secours auprès de toi.
Les gens viendront chercher la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que c'est lui qui a fait les promesses et fidèle. Tu peux manquer l'argent. Pierre et Jean l'ont dit. L'or et l'argent, nous ne l'avons pas. Mais ce que nous avons, qu'est-ce que tu as? Tu as la grâce. Les gens viendront s'agenouiller pour chercher la grâce de Dieu dans ta vie. À cause de ce qu'il a dit. Reconnais que Dieu est vrai. Reconnais que Dieu est fidèle. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons tenir debout.